Bon, bienvenue à la session sur les organisations conventionnelles et la planification familiale pendant COVID-19. Je m'appelle Mona Gorman, je suis directeur programme à Christian Connections pour Centre International Health et coprésidente du comité Face Up CFE en plus de Peter Mooney, en plus de catholique pour la santé reproductive au nom du sous-comité. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pendant la session d'aujourd'hui, veuillez participer à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le hashtag IFCPFace. On va mettre les hashtags dans le chat. On va commencer par montrer une vidéo courte, une vidéo avec des visages et les voix des acteurs de religieux avec un travailleur communauté d'Inde, un cheikh du Kenya, un canon de l'église anglicane de l'Ouganda. Donc, voici la vidéo et on va lancer le panel. C'était très difficile et vraiment ardu de travailler pendant la pandémie COVID-19, surtout pour le planning familial. Et cependant, avec le soutien des leaders confessionnels, on a pu contacter les familles et on a pu leur fournir le support aux familles qui en avaient besoin. Je demande à World Vision et à d'autres organisations et agences de faire acte de présence. Par là, je veux dire qu'ensemble, qu'ils prolongent leur support. La pandémie COVID-19 a causé un désastre dans les systèmes de soins de santé dans le monde. Kenya n'a pas été épargné non plus. La fourniture de produits de soins de santé reproductifs essentiels ont été affectés et ce n'est pas possible d'y avoir accès en raison du mouvement limité, la limitation des mouvements. En tant que leader de l'Église, on demande au gouvernement et aux partenaires de développement d'assurer que ces produits essentiels et produits civiques soient disponibles à tous les niveaux de la livraison des soins de santé. Pendant ce moment, cette période pour l'humanité confrontée à la pandémie du virus Covid, il est très important que les leaders religieux conseillent et éduquent la communauté sur l'importance pour s'assurer que les mères, surtout les mères qui sont enceintes, qu'on s'en occupe bien et qu'elles sont protégées pour ne pas contracter la maladie. Les communautés de la foi veulent augmenter, améliorer, s'occuper de la voie. On sait que la vie, on sait que les difficultés liées aux soins prénataux, néonataux sont si difficiles sur les mères et également les enfants, les bébés. Donc, on veut s'assurer que nous prenions soin du bien-être de la mère, surtout grâce à des choses comme l'espacement des naissances. Merci encore d'être à la session pour la session des acteurs confessionnels et la planification familiale. La vie tous les jours et les relations ont changé avec COVID-19 et les acteurs religieux disent comment ils abordent la PF pendant COVID et aider les communautés avec la presse dans différents pays. Donc merci. On va voir comment ils se sont adaptés et partager vos leçons également. Donc, on utilise la fonction questions-réponses en bas de l'écran et posez les questions que vous avez. Nous allons répondre à toutes les questions à la fin de la session. Donc, notre premier panéliste est Madame Gorman qui va parler de l'impact de COVID sur la violence sur les enfants et l'impact sur les grossesses pour les adolescentes. Elle travaille pour World Vision et elle a travaillé dans la réforme pour le droit à la protection des enfants et contre la violence contre les enfants. Elle a travaillé pour plusieurs organisations pour renforcer la politique pour la réalisation des droits des enfants et des enfants. Elle a travaillé pour l'UNICEF et la Banque mondiale. Donc, bienvenue, Tamara Tsumienvich. Comme Ademona, je voulais parler de l'impact de la violence sur les enfants pendant COVID-19. Première diapo, s'il vous plaît. Deuxième, pardon.
Même avant la pandémie, plus d'un milliard d'enfants étaient confrontés à l'explosion de la violence contre les fillettes et les garçons, et peut-être physique et sexuelle, mutilation génitale et le mariage des enfants. Et les filles sont plus vulnérables à la violence qui peut avoir des conséquences à long terme sur la santé mentale et physique. On sait qu'en temps de crise, les normes sexuelles et autres formes de violence augmentent et COVID-19, malheureusement, n'a pas été l'exception. Pendant les semaines suivant la déclaration de la pandémie et les mesures mises en place, on a vu une augmentation de la violence contre les fillettes et les garçons en ligne, à maison et dans la communauté, en raison des restrictions des mouvements, la fermeture des écoles et des espaces publics. Les enfants étaient à la maison. Et ce n'était pas ils étaient pas en sécurité. L'endroit est devenu dangereux pour eux. Également, combiné à la crise économique qui a frappé beaucoup de communautés, ces enfants se sont trouvés presque dans une terrible tempête. Les difficultés économiques sont terribles et pendant les premiers mois de la pandémie, beaucoup de communautés, plus de 69% des gens gagnaient moins de revenus qu'auparavant. Donc la pauvreté est une vraie préoccupation pour nous parce que les difficultés liées à la pauvreté poussent les familles à avoir des mécanismes d'adaptation négative qui est par exemple l'exploitation sexuelle et le mariage des enfants. Pendant la même période en mars en 2020, merci pour la prochaine diapositive, est-ce que 85 millions de filles et de garçons peuvent souffrir de violences interpersonnelles à la suite de juste 3 mois de pandémie. Et ce sera environ 30% d'augmentation des incidences de violence. Cette projection se prouve être vraie. Si vous regardez les données sur le terrain sur lequel nous travaillons, on voit que ces prévisions sont dans la même gamme. On a parlé aux enfants à travers le monde et 80% des enfants recensés disent qu'ils ont subi davantage de violence qu'avant la pandémie. Quelques semaines, j'ai lu un article sur BBC que une augmentation de 27% de cas d'abus de ces enfants au Royaume-Uni. C'est pas un problème seulement dans les pays pauvres. Si ça se passe dans les pays développé, on peut seulement imaginer comment c'est les endroits où la violence est déjà la norme et avec maintenant des difficultés de conflits et d'insécurité. Donc, avec la prolongation de la pandémie, davantage de familles sont confrontées à des choix difficiles parce qu'ils ont l'insécurité financière et alimentaire. Ce n'est pas un secret que le mariage des enfants adolescents peut être perçu comme par les parents pour réduire la charge sur le foyer et augmenter leurs revenus. Vous voyez des statistiques qui ont pris 31 millions de filles seraient mariées d'ici 2030 et 4 millions dans les deux prochaines années. Et ça se passe déjà. Mes collègues sur le terrain, on voit une augmentation de mariage des filles sur le terrain dans les communautés. Les chiffres ont presque doublé dans certaines communautés. La pauvreté également cause tout un mécanisme terrible, négatif, qui est l'exploitation sexuelle. Quand le sexe transactionnel pour de l'argent devient une manière de surmonter la pauvreté. Donc, ça débouche sur la grossesse des adolescents, qui est un grand problème quand on parle de la santé reproductive des enfants et la santé de leurs enfants. Cependant, les grossesses d'adolescentes augmentent en raison d'autres causes. On a vu dans cette crise, surtout à cause de la fermeture des écoles. Prochaine diapositive. On a vu de la crise Ebola, que les fermetures pendant l'épidémie a débouché sur davantage de grossesses d'adolescentes. On a prédit qu'en raison de COVID, en Afrique subsaharienne, nous allons voir près de 65% davantage de filles qui tombent enceintes. Et lorsque les filles ne sont pas à l'école, les parents
les mariés ou les filles elles-mêmes vont passer davantage de temps avec les garçons et les hommes que d'habitude, ce qui débouche sur des comportements sexuels à risque et une augmentation des risques pour la violence sexuelle et l'exploitation. Beaucoup d'enfants et d'adolescentes n'ont pas d'accès à l'éducation sexuelle, ne comprennent pas les relations, la planification familiale. Prochaine diapositive. Et les risques de la violence ont augmenté, mais l'accès aux services et aux mécanismes de protection sont réduits. Beaucoup de filles avaient déjà pas beaucoup d'accès dans d'autres services, dans les services avant la pandémie. La même situation. Dans beaucoup de pays, ils ne pouvaient pas protéger les enfants de la violence et empêcher les mariages d'enfants. Avec l'épidémie COVID-19, cela a été encore plus difficile et les services ont été complètement interrompus, souvent. Les possibilités pour demander de l'aide ont baissé pour les enfants, surtout dans les endroits où il y a des conflits, dans les endroits où les normes entre les sexes et sociales sont prévalentes et sous le stigma de la grossesse adolescente est très forte. Maintenant, avec la rééducation des mécanismes formels et informels, il y a de nouvelles manières de faire. Il y a beaucoup de services innovateurs, des campagnes de partage d'éducation pour soutenir les parents, développer des solutions techniques pour donner aux filles, aux adolescents, des options pour rapporter la violence et trouver des manières de ceux qui sont à risque, former les intervenants de première ligne. World Vision a plus de 94, en contact avec 94 000 leaders professionnels qui identifient les enfants les plus vulnérables, renforcer les mécanismes d'accès aux services et confronter les valeurs sous-jacentes qui débouchent sur le mariage des enfants et la violence. Ils veulent également montrer la lumière sur cela. Par exemple, 600 leaders de la fête en Afrique du Sud ont demandé au gouvernement et aux communautés confessionnelles d'accélérer l'action et de donner des services de protection et de condamner toute forme de violence. Dans d'autres communautés, on a continué de travailler avec les leaders religieux à travers les programmes de protection qui mobilisent les communautés de la foi pour promouvoir des comportements positifs, égalité des sexes et empêcher la violence contre les enfants sous la forme de mariage entre les enfants. Pour terminer, nous sommes au début de la première ère de l'humanité face à une crise qui expose tous les problèmes, le racisme, l'inégalité entre les sexes et la violence contre les enfants. Toute crise crée une opportunité et c'est pour ça qu'on a besoin des leaders confessionnels pour contribuer leurs efforts pour empêcher les mariages entre les enfants et d'autres formes de violence contre les enfants. Et on a besoin que les gouvernements et autres parties prenantes de reconnaître leur rôle et créer un espace pour leurs actions. Les leaders confessionnels ont un accès unique et une opportunité pour trouver un soutenir, pour détecter les enfants vulnérables. Ils sont une ressource essentielle pour la résilience communautaire. Et on a besoin qu'ils deviennent un phare de lumière pour rendre visible la souffrance et en confrontant la violence contre les enfants pour nous aider à agir. Merci beaucoup. Merci Tamara pour partager les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants et l'importance de s'occuper des enfants de tous les âges pendant cette pandémie. Je veux dire bienvenue à ceux qui se sont joints à nous. N'oubliez pas de mettre toutes vos questions dans la fonction questions-réponses en bas de l'écran Zoom. Et j'aimerais présenter notre prochain présentateur, cher Salioum Dake, qui est présente, champion de planification familiale au Sénégal, président du CRSD, qui est l'association religieuse pour la santé et le développement. Une organisation interconfessionnelle sénégalaise qui rassemble toutes les familles religieuses, associations islamiques et les églises catholiques et luthériennes au Sénégal. Il est coordinateur continental pour l'action interconfessionnelle pour la paix en Afrique et conseiller pour le dialogue interconfessionnel et projet familial au Sénégal et coordinateur projet pour l'Ouest
de l'Afrique et pour le bureau de la référence population. Et il est de la famille de Mouride. Il est du soufi, de l'islam soufi. Depuis sa naissance, il est soufi. Donc, bienvenue, monsieur Cheikh, et allumez votre caméra et votre microphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mona. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Je suis Cheikh Salioum Mbake, je suis président de CRSD. Et je vais parler du travail que nous avons effectué à travers la presse pour promouvoir la coopération interreligieuse dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et son impact négatif sur le programme de planning familial. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, depuis l'épidémie de COVID-19, le CRSD, notre organisation, a pivoté certaines de ses activités vers les actions de lutte contre la pandémie et son impact sur les services de planning familial. Et on a mis sur place le programme que nous avons implémenté à travers la presse, à travers les canaux de la presse qui sont ici au Canada, au Sénégal, la radio, télévision et les médias sociaux. Et le choix d'utiliser le choix du média est simple de nos jours. On ne peut pas faire du bon travail sans passer par la presse ou les médias parce que c'est le lien avec la communauté, les différents endroits où se trouvent les gens, surtout ici au Sénégal. La radio communautaire est d'usage, est omniprésent pour communiquer les programmes et nous utilisons également des médias numériques et les médias sociaux pour contacter différents groupes, y compris les jeunes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je voulais également souligner le fait que nous utilisons de notre stratégie l'expertise de certains de nos membres parce que parmi les membres CRSD, il y a certains qui ont de l'expertise dans la communication. Mais nous travaillons avec des experts en communication pour mener à bien notre programme. Voici des facteurs clés, comme vous pouvez voir. Depuis le début de la pandémie, entre mars et septembre 2020, un certain nombre de programmes ont été produits et diffusés à travers médias. Vous avez ici les quantités ici sur l'écran, affichées sur l'écran, avec le nombre de personnes qu'on a pu contacter grâce à ces programmes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Au cours de la seconde période de la pandémie de septembre jusqu'à présent, nous avons également produit et mené des ateliers de travail, de formation pour les leaders confessionnels et les travailleurs de la santé dans toutes les régions du Sénégal. Le premier programme était au niveau national pour les 14 régions du Sénégal. Cette deuxième vague de programmes a été spécifiquement concentrée sur deux régions. De la même façon que ce que nous avons fait avec la liaison dans les communautés, et c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir certaines photos dans la diapo suivante, s'il vous plaît. Ce sont les communautés, les femmes leaders, nous appelons Badjanougor.
ce sont les dirigeantes dans la communauté. Ce sont des femmes très importantes. Elles sensibilisent les femmes et les services à la famille, aux services de planification familiale, et elles essayent de les convaincre d'aller dans les soins de santé, les cliniques de santé. L'un des problèmes qui ont résulté du COVID est le manque de participation des femmes qui ont besoin de services de planification familiale parce qu'elles ont peur d'aller dans les cliniques et d'attraper la maladie. Donc, il a fallu les mobiliser, former ces leaders humains, ces femmes, en essayant de convaincre les communautés d'aller dans les cliniques de façon qu'il n'y ait pas d'impact sur leurs besoins de planification familiale. D'un autre côté, vous avez les femmes, les dispensateurs de soins de santé qui sont formés pour notre campagne sur la sensibilisation des communautés, surtout les femmes, et le besoin d'aller dans les cliniques de santé. Ensuite, ici nous allons montrer une petite vidéo d'une femme. C'est une sage-femme qui dirige une des cliniques dans l'une des communautés, dans l'un des quartiers de Dakar. Elle est également une dirigeante religieuse à part ses compétences techniques. Elle aide CRSD dans notre travail de plaidoyer sur le terrain lorsque les dirigeants religieux lorsqu'elle rencontre ces dirigeants religieux, elle leur donne, elle fait son plaidoyer justement sur le plan technique. Nous allons l'écouter maintenant. Assalamu alaykum mbokk yi, ma ngi len di nuyu di len ziar. Tay nak man ma ñew di wax ak yeen, man en tant que sage femme, en tant que jigen, ñew di wax ak sama mbokk jigen yi. Di len wax ni jangor yi amna mi ngi fi. Te ñun dañ ko wara moytu en tant que jigen. Ndax ñun jigen yi ñun ñoy yaay. Ñoy ndey ñoy bajjen ñoy lepp kon nak ñun suñu ko moyto rek ñepp moytu ko rawati na nak jigen wërur yi dañ ko wara moytu li tax nak jigen wërur yi war ko moytu. Cette petite vidéo montre cette dame, madame Rocket Cham, urging women to in our language, in the Wolof native language of Senegal, dans l'un de nos dialectes au Sénégal, elle encourage les femmes et les enfants à aller dans nos cliniques de santé et aussi également de suivre nos programmes d'éducation. Donc, certaines clés dans notre engagement en termes de chiffres, vous pouvez les voir ici. Mais en général, je pense que nous pouvons dire que même les médias ont été des instruments dans la favorisation de notre travail et de la communication de notre travail en tant que dirigeant religieux, en termes d'aide, en termes d'élimination des barrières et également en incitant les femmes à aller dans les cliniques. Je pense que nous pouvons passer à la diapo suivante. Ici, vous avez des photos à droite. Vous pouvez voir certains des membres qui s'inscrivent et qui parle du sujet du COVID-19 et de la famification familiale, et aussi les dirigeants religieux qui sont interviewés par les médias. Ensuite, et pour conclure avec quelques réflexions et recommandations, je pense qu'en général, vous pouvez dire que les dirigeants religieux peuvent jouer un rôle important, mais surtout, nous devons, pendant cette période, parler des théories du COVID-19 et préparer nos communautés à la vaccination et pour lutter contre la violence, convaincre les gens qui n'ont pas vraiment envie d'aller là-bas, d'aller dans les cliniques, et aidez-nous à faire cela. Merci à tous de m'avoir écouté et je serai
impatient de voir tout le monde au cours des séances suivantes. Merci, Sheikh. C'est tellement encourageant d'entendre comment les dirigeants religieux ont participé à la sensibilisation à l'éducation des communautés pour le COVID-19 au Sénégal, surtout avec l'aide des dirigeants religieux. Ceux d'entre vous qui se sont joints à nous, bienvenue. Ceux d'entre vous qui travaillent avec les dirigeants religieux dans vos pays et les médias, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Partagez vos idées. Et s'il vous plaît, posez vos questions dans la petite case Q&A, Q&A, c'est-à-dire pour les questions-réponses. Ensuite, Martha Saïdi, elle est directrice de projet pour le World Relief Malawi. Ça, renforcer les résultats dans les communautés à travers un engagement positif, ça a été financé par USAID, Haïti, au Kenya, au Malawi et dans le sud du Soudan. Elle est une infirmière. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé et de la direction des projets de santé au Malawi. World Relief est une organisation à but non lucratif qui aide les plus faibles jusqu'aux institutions religieuses, y compris diverses églises dans 9 pays. Merci bien, Mona. Je vais parler de la planification familiale au Burundi, au Malawi, pour voir ce que le World Relief fait dans les pays. Nous travaillons dans le domaine de la pandémie depuis son début. Nous avons appris nos leçons, nous avons partagé et nous avons divers partenaires. Jusqu'à présent, nous avons atteint plus d'un million de personnes avec la programmation du corona et plus de 11 millions avec des messages de masques. Notre collaboration avec les dirigeants religieuses a été fructueuse. Nous avons travaillé avec 1 800 dirigeants religieux et plus de 10 000 dirigeants religieux au Burundi. Je vais parler du projet SCOPE Malawi ensuite. C'est un projet quinquennal financé par l'USAID qui nous permet d'augmenter l'accès aux soins de santé pour les mères et les nourrissons, améliorer la qualité des soins et aussi faciliter l'accès à ces soins de service à travers le média. Nous travaillons avec divers agents et aussi avec des communautés de volontaires. Jusqu'à présent, nous avons réussi à donner les pleins pouvoirs à des institutions religieuses pour disséminer les messages COVID-19 à travers des affiches, des prospectus et des guides lors de sermons. Nous avons lancé dans toute la communauté les messages de COVID-19 et nous avons également travaillé avec le CHW à tous les niveaux juste pour nous assurer que le message passe et pour combattre cette espèce de honte du COVID-19. Nous avons soutenu le MOH dans le rôle de distribution des contraceptifs d'urgence en formant les travailleurs de la santé et en travaillant à la planification familiale dans toutes les communautés. La priorité a été donnée à nous assurer que la communauté comprend qu'il faut lutter contre les grossesses d'adolescents et doit comprendre aussi notre message de soins de santé. Et nous voulons nous assurer que les CHW qui sont dans les communautés ont la capacité de complémenter, d'offrir des services dans la famille sociale, dans la planification familiale au niveau des communautés pour augmenter l'accès. Nous avons également mis en place un espèce de volant des COVID-19 pour suivre les programmes préventifs de COVID-19. Et les retours que nous recevons nous aident à personnaliser notre programmation. En novembre, nous avons essayé d'intégrer les messages du COVID-19. Ça s'est très bien passé et nous avons été en mesure d'intensifier le fait que les dirigeants religieux parlent du COVID-19 et de nos efforts pendant le sermon.
Qu'est-ce qui a mieux, le mieux fonctionné au Malawi? Nous avons continué nos opérations dans les communautés parce que nous avons vu que pendant la pandémie du COVID-19, il y avait beaucoup de réallocations, de pression et de changements de priorité. Donc, dans les communautés, nous devons nous assurer que notre présence était importante et nous avons dû le faire en nous assurant que notre bureau, au niveau de la communauté, continue à fournir des services, des provisions et que la formation continue tout en continuant nos mesures de prévention du COVID-19, strictement. Et aussi au niveau des services de la communauté, nous avons assuré que ça n'a pas été réduit pour pouvoir lutter contre le fait que nous sommes déjà limités à la suite du COVID-19. Et en réaction au COVID-19, nous avons reconçu nos activités dans le domaine de nos projets, juste pour nous permettre de mettre en place et d'exécuter à distance. Et cela nous aide également à réduire nos activités sur le terrain. Nous avons mis en place des modules, surtout pour les volontaires, les bénévoles, dans les communautés ou au niveau même des foyers. Et nous venons de lancer diverses instructions et divers programmes pour nos bénévoles, de façon à nous assurer que nos messages arrivent à tous les foyers dans les communautés que nous ciblons. Je vais maintenant parler de d'un projet au Burundi, comment il a un impact sur les efforts au niveau des églises. C'est un programme triennal financé par John Templeton pour influencer les convictions et les problèmes sociaux qui affectent les questions de fertilité et aussi à trait à la planification familiale. Nous voulons augmenter la sensibilisation. Nous avons contacté 9200 couples en utilisant leur famille en tant que modèle. Nous avons formé quelques couples en tant que formateurs. Nous suivons donc ce modèle et cela permet aux couples de discuter de questions de fertilité et également de partager ces messages dans des groupes plus petits. Nous formons et mobilisons les dirigeants religieux dans la lutte contre la violence et aussi dans la planification familiale. Nous avons beaucoup appris à la suite du COVID-19. Il y a eu une réduction substantielle dans les réunions de couples et aussi réduction des contacts et des services religieux. Nous avons réduit cela réduit l'accès aux services de soins de santé, surtout à cause de la peur, de l'anxiété, des rumeurs et du manque d'informations exactes sur le COVID-19. Et aussi, la honte associée avec des messages conflictuels en tant que World Relief, il a fallu mettre en place une stratégie envers les couples de façon à pouvoir collaborer effectivement avec les couples dont nous avons réduit la taille. Nous avons également mis à profit des relations établies auparavant avec les CHW et les dirigeants religieux. Cela a créé une plateforme très efficace pour être en mesure de lancer des messages, des guides et de disséminer tous ces matériels, toute cette documentation. Grâce à cela, avec ces relations, ça nous a permis d'établir une confiance, d'établir une fondation pour répondre à l'anxiété, la peur due au COVID-19. Nous avons également réalloqué des ressources familiales juste pour mettre en place des stations de lavage des mains, surtout lorsque l'eau est rare, et aussi pour les familles qui ont peu de ressources, juste pour nous assurer qu'elles sont en mesure d'exécuter cette prévention du COVID-19, lavage des mains et autres. Qu'est-ce qui a bien fonctionné au Burundi? Nous avons appris qu'en mettant en profit les partenariats que nous avons avec les couples, les dirigeants religieux et les CHW, cela crée un rôle pivotal pour nous pour exécuter le plan de préparation d'urgence et communiquer dans des régions éloignées. Et malgré la pandémie, les interventions du programme ont continué
parce qu'il y avait, malgré notre structure réduite, nous avons continué à partager nos messages. Nous avons donné les pleins pouvoirs également aux réseaux religieux avec des informations en temps idéal et accuré sur spécifique sur le COVID-19 et inciter les gens à porter des masques, laver les mains et maintenir une distanciation sociale. Nous avons également fait la promotion du programme des efforts de prévention du gouvernement parmi les communautés pour nous assurer qu'il y a une uniformité et une participation collaborative dans le COVID-19 et la lutte contre. Merci à tous d'avoir écouté. Merci. Merci bien, Martha. C'est bon de savoir que le leader religieux partage les messages sur le COVID dans les sermons. Et maintenant, vous travaillez avec des bénévoles au niveau des foyers. Et ce que nous aimons beaucoup, c'est de voir que d'autres partagent leurs idées, leur travail. Continuez à partager de façon à ce que nous puissions apprendre les uns auprès des autres. C'est formidable. Nous avons entendu un certain nombre de perspectives de Tamara, ce qui se produit au Sénégal avec le Sheikh. Nous avons entendu Martha nous parler du Malawi, du Burundi. Et maintenant, nous allons aller en profondeur au niveau du comté de quelqu'un qui travaille dans une clinique au Kenya. Continuez à poser des questions. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, il est dans le comté de Gori, c'est dans l'ouest du Kenya. Et nous avons divers comtés et pays. Ce dispensaire est soutenu par l'organisation des instituts et églises africaines dans le domaine de la santé des enfants pour les femmes rurales, y compris les adolescentes. Ils mettent l'accent sur les services d'éducation, d'information et de santé. Nous invitons Nicolas. Nous voulons qu'il rallume son micro et qu'il nous parle des services contre le COVID. Et les efforts qu'ils font à travers les visites à domicile. Donc, Nicolas, votre micro, s'il vous plaît, et votre micro. Thank you, Mona. Vous pouvez commencer votre intervention. Merci. The COVID-19 effect on any COVID programming se fait ressentir à travers la programmation. Nous continuons à conduire des programmes et de la mise en place de programmes dans nos structures sanitaires pour contenir le COVID. Avec l'aide des dirigeants religieux, nous avons des séances dans des assemblées de villages et lors de réunions religieuses pour parler du message contre le COVID. Nous utilisons les médias pour lancer nos messages contre le COVID, pour justifier cette interprétation de nos efforts. Nous continuons à soutenir nos efforts de planification et d'éducation. Nous soutenons les dirigeants religieux au niveau des communautés et des villes. Donc, nous travaillons dans les communautés et nous partageons aussi les messages au niveau national en travaillant avec des bénévoles au niveau des communautés. Nous avons travaillé avec les chefs religieux en utilisant le système de réservation des clients pour les services de contraceptifs à long terme. En collaboration avec les champions de les leaders de la foi, on a mené des dialogues communautaires pour diffuser les directives COVID-19 du ministère de la Santé. Les chefs religieux mobilisent les membres de la communauté pour des activités d'approche et de sensibilisation durable
dans le strict respect des directives COVID-19 afin de fournir des services de santé génésique intégrés à la communauté et intégration des services de PF, de planning familial, à tous les points de prestation de services de l'établissement de la santé afin de réduire les occasions manquées. L'autoréférencement ensuite, suite à la création d'une demande soutenue par le département de la santé du comté et des chefs religieux par le biais des talk shows, des émissions radio. Prochaine diapositive. Donc, grâce à avantages sociaux de la continuité des services de PF par Oyami, les partenaires masculins ont été contactés et conseillés, ce qui a permis d'accroître l'utilisation des contraceptifs modernes. Accès continu aux services de PF par les clients malgré les craintes et l'anxiété liées à la pandémie de COVID-19. Bonne coordination et coopération entre les volontaires de la santé, de l'établissement, de la communauté et de la collectivité grâce à la diffusion d'informations précises sur COVID-19. En conclusion, nous, les efforts et les résultats du dispensaire d'Oyani SDA sont attribuables à la coordination sans faille entre le gouvernement national et celui du comté, le DECIP, l'établissement et la communauté religieuse et la préparation renforcée de l'établissement de la communauté pour continuer à fournir des services de PF sans interruption en plein au plein de la pandémie COVID-19 afin d'atteindre les femmes en âge de procréer. Merci. Merci beaucoup Nicolas et Batisana et à nos panélistes. Nous allons commencer les questions-réponses dans quelques minutes. Donc, écrivez vos questions dans la réponse question-réponse. Merci à ce forum ICFP pour partager, trouver des solutions innovatives pour améliorer la planification et pour satisfaire aux besoins reproductifs de la communauté. La pandémie COVID-19 nous a montré comment nos approches et nos systèmes peuvent être impactés et déboucher sur des résultats négatifs ou des solutions créatives. Donc, les leaders religieux ont un rôle crucial pour améliorer la santé dans les pays en voie de développement. Nos recommandations, c'est que les sous-communautés devraient inclure les communautés religieuses et les protagonistes de santé globaux et les organisations humanitaires pour discuter avec les leaders de la religion, comment les pratiques et les valeurs peuvent soutenir ou sont en conflit avec la planification familiale, surtout pendant COVID-19, pour les processus de planification de vaccins et le développement de messages. On encourage la collaboration les uns avec les autres au niveau interconfessionnel, sur la base d'informations précises et de partager, de diffuser cette information. Cela permet, donne de meilleurs résultats et un investissement dans la recherche et les interventions pour aider les secteurs à comprendre, à tirer parti et de collaborer avec les leaders religieux et les communautés pour encourager des comportements meilleurs pour la santé, donc avec l'établissement de stratégies et plaidoyer des établissements de politique devraient être inclusifs, y compris inclure les leaders religieux, et davantage de recommandations et d'informations peuvent se trouver sur le site web IFPSP et beaucoup de sites de nos panélistes. Je sais qu'il y a des gens qui partagent différentes informations, différents outils. J'aimerais passer aux questions-réponses. Donc, je vais demander à tous nos intervenants s'ils peuvent allumer leur caméra, si la bande le permet. Je vais commencer à poser des questions. Donc, Tamara, Cher, Nicolas et Martha, si vous pouvez allumer votre vidéo. La première question, c'est pour le Cher. La question vient de Rita. Comment est-ce que vous avez choisi les leaders à concertiser? Est-ce que vous choisissez avec ceux qui étaient déjà favorables à la planification familiale, ou bien vous avez essayé de les sensibiliser? Cher, à vous la parole. Activez votre microphone, s'il vous plaît, Cher. Merci beaucoup, Mona. Je pense
J'ai sauté cette question, je réponds Dieu à toutes les questions. Mais notre travail, dès le début, le CSRD est composé de leaders prominents qui ont beaucoup d'influence. Mais ces gens ont dû être formés sur le planning familial parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Ce n'est pas, ça ne fait pas partie de notre travail quotidien. Donc, une formation était nécessaire qui sont ouverts d'esprit, mais quand même, la planification, le planning familial étant nouveau et un peu controversé, en quelque sorte. Certains sont d'accord, mais d'autres pas, pour des raisons religieuses. Donc, on doit former tout le monde là-dessus, avec des arguments. C'est là qu'on peut baser nos recommandations en extrayant un message religieux basé sur des scripts religieux, des extraits de religieux. Donc après la formation, les membres du groupe, maintenant, on peut leur demander de diffuser les messages à travers les médias, les ateliers, etc. Comme on a dit, il y en a ceux qui sont contre le PF, on les ciblait, on voulait les convertir afin qu'ils acceptent la PF avec des arguments solides. Donc, on l'a fait à travers en produisant des arguments. Donc, c'est les deux. La cible, ce sont les religieux ouverts, mais pas forcément ceux qui sont ouverts. Mais on l'a fait pour convaincre tout le monde en utilisant une argumentation religieuse. Donc, avec les facilitateurs, les experts de la santé, on a expliqué les deux, donc le côté, l'aspect religieux et l'aspect santé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci, chère. Et la prochaine question est pour Martha, si vous êtes encore là. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone et allumer votre caméra? Je combinais deux questions en une. Quelqu'un m'a demandé si on travaille avec les établissements de religieux pour accéder, augmenter l'accès aux services de santé familiale pendant COVID. Est-ce que vous avez la protection pour les leaders, y compris les groupes de session de conseillers? Martha, si vous pouvez répondre, merci. Donc, pour répondre à la première question, oui. On a contacté les leaders religieux. On collabore avec CHAM. CHAM est une association chrétienne du Malawi. Ils ont des services religieux dans des établissements établis et ils fournissent la formation au travers de la soins de la santé. Et on travaille avec les leaders religieux, on mène des réunions avec eux, on leur donne des formations pour qu'ils comprennent leurs responsabilités par rapport aux problèmes qui dans leur communauté, y compris des problèmes de PF. Donc, on donne l'opportunité égale à toutes les institutions qui participent dans notre programme et dans la pour le moment. Donc, pour la seconde question, oui, nous fournissons des ressources de prévention pour soutenir la prévention de COVID-19, des masques, des stations pour se laver les mains. Et pour les familles qui n'ont pas beaucoup de savon, on leur donne du savon. Donc, on s'assure que cela est suivi. Merci. Merci, Martha. Je l'apprécie. Prochaine question pour Nicolas. Nicolas, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous pouvez allumer la caméra? Je sais qu'il est tard. Êtes-vous encore là? Nicolas? Je suis encore là, oui. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra si la caméra fonctionne encore? Bien entendu.
beaucoup de difficultés. Mais en tant que travail de la santé, on fournit des sources, des services, surtout à la communauté. Cela est parfois difficile. On n'avait pas assez d'équipements de protection individuelle. Et on n'a pas pu distribuer les services. On avait vraiment peur. Et plus tard, en raison de la dissémination de COVID-19, par la suite, on nous a livré de l'équipement de protection individuelle. On a tout soumis, on a fourni à la communauté, et on a continué les services. Merci. C'est bien, je suis heureux de savoir, Nicolas. Il y avait une question. Est-ce qu'il y avait une peur parmi les femmes ou les clients de votre communauté pour contracter COVID? Est-ce que c'était une peur? Comment est-ce que vous avez abordé cela? Il y avait beaucoup de peur pour les femmes de la communauté parce que elles ne voulaient pas arriver dans l'établissement en raison de COVID-19, qu'elles allaient contracter de nous. Elles ne voulaient pas sortir des villages, mais en raison de la dissémination de COVID-19, au niveau de la communauté, à travers les leaders de religion, les émissions radio, elles ont commencé à revenir dans les établissements, oui. Merci. Merci, Nicolas. Il y a une question sur les contraceptifs de longue durée. Est-ce que des difficultés? Est-ce que vous fournissez des méthodes là aux dispensaires? Oui, dans nos établissements, lorsqu'on a tout livré, elles viennent pour obtenir des LARS, donc des contraceptifs réversibles de longue durée. Merci, Nicolas. On a davantage de questions. Je passe à quelqu'un d'autre pour donner une petite pause à Nicolas. Il y a une question. Shake. Salut. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra à nouveau? Sheikh Lozom a dit au Kenya, les leaders musulmans n'acceptent pas la planification familiale. Répétez s'il vous plaît. L'un des leaders religieux a dit qu'au Kenya, les leaders musulmans acceptent le terme espacement des naissances, pas planning familial. Est-ce que vous avez le même problème au Sénégal? C'est vrai, ici, nous utilisons le terme d'espacement des naissances entre couples mariés, entre couples mariés légalement. L'expression planning familial a une connotation négative dans l'esprit des gens. Et ça a été comme ça depuis, je ne sais pas, depuis la le terme planification engendre une réaction négative des gens. Même la traduction en français, la planification familiale est mieux acceptée que le planning. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Donc, on a essayé d'éviter le terme planning familial, même si c'est le sujet global, mais on utilise la phrase planning familial, c'est-à-dire espacement des naissances dans un couple légalement marié, pour que cela soit accepté. Il est très important d'utiliser un langage que les gens acceptent
plutôt qu'un langage qui serait rejeté. Et ne même pas donner la chance d'écouter votre message. Donc ce sont essayer d'éviter des formulations qui sont controversées, où les gens ne se sentent pas à l'aise, et utiliser une formulation qui inspire davantage moins de rejet. Merci, Sheikh. Je pense qu'il y a une question applicable à tous les panélistes, peut-être. Donc, si tous les panélistes veulent bien allumer leur caméra, il y a une question. Est-ce que vous savez si les leaders religieux ont des préjugés par rapport à l'accès aux contraceptifs par des adolescents et comment contourner? Certains adolescents sont mariés, d'autres ne le sont pas. Je sais que vous avez parlé de que le mariage est le terme clé. Donc, que faites-vous lorsque il y a des questions portant sur les adolescents qui surgissent? Donc, si vous pouvez parler de votre expérience, et Nicolas et Tamara, ce serait très bien. Sheikh, Martha, Nicolas, Tamara. Allez-y. Le sujet de jeunes non mariés et de planning familial est très complexe pour les leaders religieux. Ça a été comme ça depuis la dernière décennie, et cela se repose tous les jours. Notre stratégie a été que notre concentration est sur les couples mariés. Le problème de jeunes non mariés doit être géré différemment. Cela signifie que cela doit être abordé d'une autre perspective parce que le problème, encore une fois, demeure ici dans nos sociétés. C'est la formulation utilisée parce que le mot a une certaine connotation, un poids sexuel peut-être négatif dans nos communautés. C'est préférable de contourner et d'utiliser un langage qui est plus approprié pour véhiculer le message. Donc, on se concentre ici. Le problème de l'éducation sexuelle complète, on essaie d'adapter la formulation à ce qu'on appelle. On le présente comme l'éducation à la vie familiale pour que ce soit acceptable et ménage la susceptibilité des gens. Mais nous travaillons là-dessus sur le problème des jeunes, des grossesses adolescentes, parce que c'est quelque chose, c'est une réalité, et parfois c'est un drame, parce que il y a un tabou. Mais c'est une manière, il y a une manière d'aborder cela. Les leaders religieux ne peuvent pas parler du sexe hors du mariage parce que nous serions hors de nos enseignements religieux, de notre contexte. Mais étant donné que c'est une réalité sociale, les leaders religieux ont un rôle à jouer dans aborder cette question. C'est aux leaders de définir la stratégie parce que si nous devons suivre une formulation qui ne ménage pas la sensibilité des gens, ce sera très contre-productif. C'est très sage, chef, l'importance de la situation culturelle, les différentes communautés. Oui, en fait, il y a beaucoup de pratiques qui sont dangereuses ici. Nous en sommes conscients. En tant qu'organisme, nous avons considéré que c'est une chose qui doit être gérée
si nous voulons faire notre travail et apporter l'accès à la planification familiale. Nous parlons des questions basées sur la sexualité, nous les apportons aux adolescents. Et nous avons aussi des modules qui visent les dirigeants religieux simplement pour reconnaître les situations dans le fait et aussi utiliser leurs capacités et de contacter les adolescents dans le domaine de ces questions et de la planification familiale. Nous voulons nous assurer que tout le monde reçoit le message en termes de planification familiale et comprenne leurs responsabilités en termes de planification familiale. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous voulons les sensibiliser à la question. Donc, cela fait partie de notre programmation. Merci. Merci, Martha. Il est bon de savoir que cela fait partie de votre programme pour communiquer avec cette population. Nicolas, s'il vous plaît, rallumez votre micro. Nous aimerions savoir, au niveau des dispensaires, comment vous gérez et travailler avec les adolescents qui viennent pour les services de planification familiale. Êtes-vous toujours là? Voyons voir. Pendant que Nicolas essaye de régler ses problèmes techniques, Tamara, je sais que tu as parlé de la perspective mondiale, mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter en ce qui concerne la réponse de World Vision à la planification familiale pour les adolescents? J'aimerais dire que je ne suis pas une dirigeante religieuse, mais lorsque nous travaillons avec des dirigeants religieux, nous essayons de présenter une perspective qui soit sensible à leur culture. Comment gérer ces questions en étant sensible à cela? Nous essayons d'exposer les racines de des grossesses adolescentes. Nous essayons de réduire les stigmates, la honte. Mais lorsqu'il s'agit de la façon dont cela va être mis en place, nous travaillons avec les diverses confessions pour comprendre quelle est la bonne façon de faire. Nous savons que les dirigeants religieux ont affaire à ces questions tous les jours et nous essayons de partager avec eux les informations. Merci Tamara. Quelqu'un dit qu'il ne comprenait pas ce que tu entendais par « tu n'es pas une dirigeante religieuse ». Mais tu es une femme religieuse, n'est-ce pas? Oui. Merci. D'autres questions? J'essaye d'y parvenir. Merci à tous. Nous avons une question ici qui concerne comment nous, en tant que dirigeants religieux, nous allons apporter l'innovation, surtout lorsqu'il s'agit de l'engagement des hommes, dans le domaine, bien entendu, de la planification familiale de COVID. Combien l'engagement masculin, comment en parlez-vous? Mohamed du Ghana a soulevé cette question. Martha, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais partager sur la façon dont tu as fait participer les hommes plus que les femmes, je ne suis pas sûr. La plupart des dirigeants religieux avec qui nous travaillons sont des hommes. Dans nos réunions, nous les encourageons à faire participer des femmes, mais ils sont surtout masculins. À tous les niveaux, pour les réunions de couple, nous essayons de faire participer tous. Nous leur demandons de venir avec leur épouse, de façon à ce qu'il y ait une représentation féminine et religieuse. Et dans nos réunions de communautaires, nous encourageons la participation des femmes. Nous aimerions qu'elles viennent également. C'est comme ça qu'on gère la question. Voilà ce que je peux partager. Autrement, nous n'avons pas de réduction de la participation des hommes. Merci, Martha. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait parler de la participation des hommes dans leur programmation et leurs efforts pour contacter les communautés et autres? J'aimerais également dire que l'un des collègues de Nicolas a répondu à la question sur la façon
dont ils réagissent à la question des adolescents dans leur dispensaire. Excellent, merci. Il y a une question de Sheikh Nabake. Lorsqu'il s'agit de domaines qui sont à l'extérieur de votre contexte religieux, est-ce qu'il y a des enseignements qui vous permettent de gérer des questions assez difficiles comme la contraception chez les adolescents? Oui, je pense que il faut qu'il y ait une certaine compassion. C'est une vertu religieuse qui s'applique à toute l'humanité, quel que soit le sexe ou autre. Les dirigeants religieux doivent être ils doivent partager des messages comme par exemple s'il y a quelque chose qui menace la vie, quelque chose qui peut affecter la personne. Les enseignements religieux, les dirigeants religieux ont également des normes et on ne peut pas enfreindre ces normes. Les enseignements religieux ont des normes, donc nous ne pouvons pas demander à ces dirigeants religieux d'accepter des comportements à l'extérieur de ces normes. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de sauver la vie d'un être humain, parce que la vie est sacrée, et c'est également une valeur dans toutes les religions, la vie est sacrée, tout ce qui peut sauver une vie est accepté par la religion. Mais encore une fois, on ne peut pas encourager ces comportements qui sont à l'extérieur des normes religieuses, parce qu'à ce moment-là, nous allons contredire les enseignements religieux. Mais oui, on nous enseigne à avoir une compassion envers n'importe quelle personne qui souffre de quelque trauma que ce soit. Mais la religion demande également aux êtres humains d'être responsables et de vivre de façon responsable. Ce sont les enseignements que nous ne pouvons pas ignorer dans l'esprit des normes religieuses. Mais oui, la compassion est là pour tous ceux qui souffrent. Merci, Sheikh. Je pense qu'il y a une question de suivi, non pas seulement pour vous, mais pour d'autres. Il y a une question à propos de dialogue et de participation des jeunes avec les dirigeants religieux. Ce que nous avons noté, nous sommes incités à faire participer les jeunes dans les discussions. Nous voulons faire participer des dirigeants religieux plus jeunes, mais souvent il y a une hiérarchie dans les diverses églises du point de vue chrétien. Il y a une hiérarchie dans diverses structures religieuses. Et donc, parfois, les jeunes dirigeants religieux doivent suivre cette hiérarchie également. Et je serais curieuse de savoir si Martha, dans certains de tes programmes, si vous avez été spécifique en termes de faire participer des gens de divers âges. Et peut-être que Nicolas, je ne sais pas si dans votre dispensaire ou dans vos dispensaires, dans vos comités consultatifs, est-ce qu'il y a des jeunes qui participent à ces comités? Vous pouvez peut-être tous les deux nous... Pouvez-vous nous aider en répondant à cette question? Martha, tu veux commencer là-bas? Si tu es toujours là? Oui, excellent, merci. Alors, merci bien. Et donc, je suis d'accord avec toi qu'il est important lors de nos efforts qu'il faut faire participer les jeunes. Donc, dans nos programmes, nous faisons un effort délibéré à partir du recrutement. Lorsque nous recrutons des bénévoles sur le terrain, nous incluons également des jeunes volontaires. Par exemple, dans les programmes de planification familiale, nous avons des jeunes bénévoles qui sont ciblés pour apporter des services, de façon à ce que ce soit plus facile pour eux d'avoir un rapport avec les jeunes. Et il y a une bonne collaboration entre les jeunes, la communauté CH et la communauté religieuse. La plupart des églises ont des groupes de jeunes. Donc, le responsable des jeunes qui s'occupe des services et de l'éducation dans la famille
dans la planification familiale collabore avec les églises pour fournir des informations et également des services. C'est comme ça que nous réagissons au besoin d'intégrer les jeunes. Merci. Nicolas, je vois que tu essayes d'écrire une réponse. Mais si tu veux rallumer ton micro, ce serait excellent. Oui, c'est juste. Bon, vous m'entendez là? À Oyame, nous travaillons avec les jeunes, avec des groupes de jeunes. Ils ont des informations sur la planification familiale, les questions diverses. Nous avons également des jeunes qui sont représentés lors de nos comités consultatifs dans nos installations. Nous avons également des volontaires qui leur parlent dans leur communauté. Donc, nous les organisons, nous leur donnons des dates de façon à pouvoir les former et aux méthodes de planification familiale. Merci bien, Nicolas. Je sais que nous approchons de la fin de notre temps imparti. Je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, j'en suis vraiment désolé. Des questions individuelles et aussi dans la petite boîte. J'aimerais donner à chacun des intervenants une minute pour partager quelque chose qui leur vient à l'esprit, par exemple le rôle des dirigeants religieux et de la communauté religieuse dans la planification familiale ou le COVID. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? J'aimerais commencer par le Sheikh. Vous êtes là? Oui, je vais commencer par vous. J'aimerais parler un peu des jeunes. C'est bon? Oui, oui, s'il vous plaît. Nous avons entamé un programme de dialogue avec les jeunes dans le Sahel. D'accord. C'est avec un partenaire PRB. Nous avons produit nous avons utilisé des instruments multimédia pour cet engagement où nous parlons de dialogue avec les dirigeants religieux et les jeunes dans la planification familiale, l'éducation à la vie familiale, les FGM, et le mariage des enfants. Nous pensons que ce dialogue est très important. Parce que la plateforme a permis aux jeunes et aux dirigeants religieux d'avoir une interaction franche. Les dirigeants religieux étudient les enfants, écoutent les jeunes et répondent. Et donc, nous revenons au texte religieux. Nous utilisons les données. Nous utilisons les sources d'informations qui comprennent des valeurs pour parvenir à quelque chose qui permette aux dirigeants religieux et aux jeunes de parler de ces quatre domaines de façon franche et directe. Et nous essayons de disséminer cela dans les diverses régions. Donc, c'est possible. C'est possible et c'est recommandé d'établir ces dialogues, mais cela doit être également... En fait, c'est un processus. C'est quelque chose où les deux groupes doivent se développer ensemble, ils doivent travailler ensemble pour développer le dialogue, de façon à parvenir à une conversation qui aura des résultats, de façon à parvenir à un consensus sur les divers sujets. C'est quelque chose que nous pouvons disséminer. C'est ce que nous voulons faire, disséminer dans les communautés. Donc, c'est les bienvenus. Bien, je vois que quelqu'un de PRB a lancé un lien. Du fait du temps, je vais passer à la suite. Tamara, quelques remarques de conclusion? J'aimerais simplement dire que je suis vraiment humble lorsque je vois
que ce que font les communautés religieuses, les dirigeants religieux dans le domaine de la gestion des questions de planification familiale et aussi des enfants. Et je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de nous rencontrer et d'entendre directement comment surmonter ces difficultés, ces barrières qui sont réelles et qui sont souvent difficiles. J'aimerais remercier tous les intervenants et vous pour votre organisation. Merci Tamara. Martha, autre chose que tu aimerais partager avec le groupe? Oui, merci Mona. Je voudrais simplement dire que c'est encourageant pour nous, en tant que partenaires, de voir la confiance dont nous faisons l'expérience avec les dirigeants religieux. Et nous devons mettre à profit cette occasion de nous assurer qu'il y a une collaboration continue entre les technocrates et les dirigeants religieux. Nous voulons nous assurer que les dirigeants religieux ont des informations exactes. Nous voulons faire en sorte que l'on puisse intégrer leur foi, en fait, avec les questions de tous les jours sur le terrain, de façon à ce que tout le monde comprenne ce qui se produit. Et nous voulons mettre à profit cette occasion, cette confiance. Donc, la communauté religieuse, en fait, commence à nous aider. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Merci. Merci, Martha. Merci d'avoir partagé ton travail au Malawi, au Burundi. Merci. Nicolas, avant la conclusion, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire? Oui. C'est vrai, les dirigeants religieux sont très influents et ce sont des suiveurs. Et nous devons les comprendre et ils comprennent également, mais on leur parle du COVID. Ils viennent dans les installations sanitaires pour essayer de comprendre et nous leur donnons une mise à jour dans le domaine de la planification familiale. De façon informée, chacun d'entre eux. Ils sont très intéressés également. Merci Nicolas, je suis heureuse que vous soyez en mesure de vous joindre à nous dans une région rurale où vous avez quand même l'Internet, c'est formidable. Et j'aimerais conclure en remerciant tout le monde de s'être joint à nous pour les séances, pour apprendre, pour partager, pour envie d'améliorer la qualité de la couverture de notre travail de planification familiale avec nos partenaires et les communautés religieuses. Je suis heureuse que tout le monde ait partagé leurs idées dans le chat. J'espère que vous allez continuer à apprécier le reste de la conférence. Sur 10 minutes, si vous pouvez vous joindre à nous sur Facebook Live, sur la séance de planification. Kathleen a mis le lien sur le chat box. Baptiste et Valentine du Cameroun vont partager avec nous en fonction de son travail au Cameroun. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous bien pour la conférence et bénédiction à tout le monde dans votre travail et avec vos familles. Beaucoup de remerciements à tous.
things touch with the power to be seen across the world. We're not the future, we the present. Invest in us and you will see the world is changing.